loulou. Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec Corentin. On vous avait parlé qu'on ferait une vidéo tous les deux parce qu'on va faire un back to school assez spécial parce qu'il nous manque quelque chose dans la liste d'école. Alors tout d'abord, on espère que vos vacances se sont bien passées. Bah oui. Toi, elles se sont bien passées? Oui. Nous, on est allé en Espagne. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait, les copains? Ah bah dites-nous ça où? Dans les commentaires. Ouais, bah dites-nous dans les commentaires ce que vous avez fait cet été. Alors toi, t'as fait quoi? Allez, on va un petit peu résumer. Alors qu'est-ce que t'as fait? T'es resté au lit tout l'été? J'ai fait du ski en été. Non, c'était l'année dernière. Ah ouais, loupé. Alors t'as fait quoi cette année? On mangeait des glaces ce soir. On a fait presque tous les jours piscine et mer. On a fait parc aquatique. Ouais, parc aquatique. On a fait plein de restaurants. On a mangé de la paella. On a fait du petit train aussi. Ouais. On a fait fête foraine plusieurs fois. Oui. On a gagné plein de trucs aux fêtes foraines. On a fait quoi encore? Et moi, j'ai eu un P99 Airsoft. Et Corentin a eu son premier pistolet à billes. Et oui, les loulous, ça y est, il grandit. On a fait aussi du petit train, je crois. Et puis on a fait du pédalo. Enfin, on a fait plein de trucs. Alors dites-nous vraiment ce que vous avez fait pendant les vacances. Même si vous n'êtes pas parti, vous avez fait peut-être des cabanes dans les arbres. Peut-être ils ont fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire à la maison aussi? Bah, aller à la mer si on est proche. Ouais. On peut aussi jouer aux boules, jouer au ki. Ah oui. Ouais, faire des challenges, faire du slime. On a fait aussi du slime sur la plage, nous. Alors les amis, avec du sable et on a fait des bagarres de château de sable. Ouais, on a fait plein de trucs. Alors les amis, on se retrouve donc aujourd'hui pour un back to school parce qu'il nous manque une grosse chose dans notre liste. Ouais. Qu'est-ce qui nous manque? Un iPad. Un iPad pour Corentin. On vous avait dit qu'on lui achèterait quand on reviendrait de vacances. Donc bah là, aujourd'hui, on va partir au magasin. On vous amène avec nous et on va choisir un iPad. Mais il nous faut quoi d'autre aussi? Un casque. Un casque et puis une protection pour l'iPad. Ah bah oui. Donc je te laisse finir ta boisson parce qu'il fait super chaud. Je sais pas s'il fait chaud chez vous aussi les amis, mais nous, on a j'ai pris 50 centilitres. Chaud. Donc je te laisse finir ta boisson puis on y go. On y go. Allez, on y go. Ça y est, on est dans le magasin, donc là il fait meilleur. Et là tu vas où, Corentin? Qu'est-ce que tu fais? C'est pas là le rayon des iPads? Si. Là c'est plutôt le rayon de la Switch. Dis-moi. Il y a plein de nouveautés. Il y a plein de nouveautés? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Rim qui était normalement sur la PS4. Non, c'est Rim. C'est Rim? Ah, oui, c'est Rim. Nul, alors, les amis. Après, il y a Go Vacation, exprès pour les vacances. Il y a quoi? Il y a Crash? Il y a pas si longtemps. Ouais. Il y a plein de nouveautés en fait. Bon. En tous les cas, on va aller chercher les iPads. Hein. Ouais. Parce que maintenant, c'est fini les vacances. Ah bah oui, maintenant, c'est fini. D'ailleurs, les amis, on vous a pas dit, on vous souhaite une bonne rentrée. Une bonne rentrée, ouais. Corentin, il y a les instructifs aussi. Ok, bon, il s'en fiche. Il regarde les jeux vidéo, il s'en fout de la rentrée des classes. Mais là, on est parti. Comme il nous demandait dans la liste, comme tant classe iPad, un iPad. Donc, c'est où les iPads? Parce que là, il y a les. Il y a les Overboard. Ça aussi, c'est ouais. Pas. Voilà. Oh, il y a Cosmo. Il y a Cosmo, ok. C'est trop génial. Il y a des drones. Il y a des drones. Et là, tu sais où c'est normalement. On a trouvé, donc là on a quoi déjà? Un iPad mini. Un iPad mini, est-ce que c'est ce qu'il te faut? Non. Non? Pas du tout. Il est trop petit, c'est ça? Ah non, il y en a d'autres là-bas, fais voir au fond ici, ce qu'il y a. Fais voir. Je vois là le fond, il est beau celui-là, il est gros. Ouais. Oh, c'est un iPad Pro. Ah, un Pro, ouais. Il est aussi gros que mon MacBook, dis donc. Quasiment quoi. Là on a quoi? Il y a l'iPad Pro, mais en un peu plus petit. iPad Pro, c'est pas ça qu'il te faut toi? Ah non, moi c'est ça, c'est l'iPad New. L'iPad New pour Corentin. Alors il existe en quelle version celui-là? En 32 Go ou 128 Go. Alors est-ce qu'on prend le 32? Non, on va prendre du 128 parce que nous on va faire du gaming cette année. Grande annonce cette année sur la chaîne, Corentin va enfin ouvrir sa propre chaîne YouTube. Je serai dessus aussi les amis. Et on va faire du gaming sur tablette, sur téléphone, peut-être la Switch, je sais pas. Parce que Corentin, ça fait combien de temps que tu veux faire une chaîne de gaming? 2 ans je crois. Non, 2 mois. Non, 2 ans. Deux ça ans. Fait 2 ans, ouais.
Donc tu me bassines avec ça, donc on va t'ouvrir ta chaîne. Et puis là on en profite, on va joindre l'utile en fait, on va acheter une tablette à l'agréable qui va être la chaîne YouTube, donc on va prendre une grosse capacité. Alors, est-ce que tu as une idée de la couleur que tu veux? Gris sidéral. Gris sidéral? Oui. Alors c'est celui qui est blanc devant ou noir? C'est lui. Ah mais c'est celui-ci? Oui, c'est okay. Lui le gris sidéral. Bon ben je crois qu'on va aller voir une vendeuse. Ouais. Hein, et puis on va lui demander. Ouais. Ok. Maintenant on regarde les coques. Alors là on a des iPad Pro. iPad Pro. On en a plein en fait. Hein. Mais bon c'est pas très gai comme couleur moi je trouve. Ouais. Non. Oh regarde ça c'est plus gai là. Regarde. Un papillon. Non. C'est pas un petit papillon? Non. Ici elle est même. Oh elle est chouette celui-là. Non. Non tu veux pas ça? Non. Non non. Alors regarde ce qu'il y a là. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal? Ouais. Ouais ça. Après il y a quoi? Il y a rouge. Il y en a d'autres là-haut, noir. Ah ouais, elle est mieux. Tu veux elle? Ouais, bon, elle est mieux okay. Parce qu'elle est plus lisse que celle-là. Ok, bon, mais prends celle-là alors. Ok. Dans le panier. Elle est moins chère. Elle est moins chère en plus. Bon, ça c'est cool. Maintenant qu'on a la coque, ça y est, tu l'as en main. Ouais. Ça y est, il nous faut quoi? Bah, un casque. Un casque. Alors, c'est où les casques, tu sais? C'est ici. Ici bah, c'est... Ouais, tu connais bien hein, le rayon quand même. Hein. Ouais. Alors là, ce sont des écouteurs, donc c'est pas ça qu'il nous faut, ce sont des casques. Là, il y a un casque écouteur, c'est bizarre. Ici, il y a des casques. Ah, ici, des casques. 100 euros, ils coûtent quand même assez 100 cher. 100 euros, c'est un peu cher quand même. Hein. Déjà, l'iPad, c'est pas donné, les amis. On est en vacances, on a plus de sous. Il y a celui-ci, il y a celui-là. Pas mal celui-là, il a combien celui-là? 20 euros, Sony, non? On essaye? Ouais, bah essaye. Parce qu'après, il faut essayer. Hein. Bah oui. Alors? Il me tombe et à la fois ben, il est trop en haut. Ok, donc c'est pas le droit. Ah non, c'est pas ça. Allez, on continue. Le rouge, ah ben il existe en rouge, il va tomber pareil alors. Bah ouais. Là c'est trop gros parce qu'on pourrait pas être plus petit. Ouais, c'est beaucoup trop gros pour toi. Ah, on a que les gros casques. Lui, regarde le loup. Ici il y en a plein. Ouais, il y a des petits là, il y a un petit comme ça là. Non, ça c'est trop petit. Non, t'aimes pas? On dirait Gulli. Et 100 euros en plus. 100 euros, ouais, c'est pas donné quand même. Il faut savoir que t'en as un à la maison déjà. Là, ce sera que 19 euros. 19 euros. C'est pas mal lui. On dirait celui que j'avais à la maison. Ah oui, il ressemble à celui de la maison, exact. Mais c'est parce que lui, il se plie. Et il a un truc pour le son. Ok, il bah tu l'essayes. Ouais. Tu veux prendre ma coque? Oui, si tu veux, mon chéri. En plus, il est molletonné au-dessus, c'est ça? Quoi? Il est molletonné au-dessus. Ah bah, t'entends rien, si. D'accord. Il est bien? Ouais. Il te va bien ou pas? Ça veut dire quoi, molletonné? Molletonné, ça veut dire qu'il est tout souple au niveau de la tête pour pas te faire mal. Ouais, c'est vrai. C'est cool, ça. Est-ce qu'il te va? Ouais, il me va. Tu veux en voir un autre ou tu vas rester là-dessus? Je vais rester là-dessus. Ouais, parce que moi, j'en vois pas beaucoup des petits. Mis à part le blanc, là. Tu veux voir le blanc, là? On va le voir. De son nid aussi. Il y a pareil, il y a 20 euros. Tu vois, regarde-moi. Ouais, moi je préfère peut-être le noir. Ouais, au niveau du truc pour pas faire mal à la tête, ouais, laisse tomber. Hein. On reste sur le noir. Ouais. Regarde, il existe aussi en bleu, Loulou. Est-ce que tu veux le bleu? Non, moi je vais plutôt faire le noir. Ok, bon bah ils sont là en dessous, tu peux le prendre. Ouais, il est là. Et voilà, bah là on va passer en caisse et puis on va rentrer à la maison, on retrouve les amis à la maison. Attends, Loulou. Il est pas abîmé, c'est bon, on peut le prendre. On trouve les amis à la maison? Oui. Allez, bon, on vous retrouve tout à coup, juste après, à la maison. Nous voici de retour du magasin. Et on a acheté plein de choses. Bah ouais. Enfin plein de choses. Trois choses. Trois petites bricoles, trois fois rien. Hein. Trois grosses. Juste trois trucs à deux balles en fait, on va dire. N'importe quoi, Loulou. Ça va, mais ça c'est vraiment très cher. Ouais, c'est vraiment très très cher. Maman, elle a cassé sa tirelire, qu'est-ce qu'on prépare? Mais en même temps, t'as bien travaillé l'année dernière. Eh ben oui, là j'ai vraiment bien. Qu'on promet à Corentin qu'il irait en classe iPad, mais attention, il fallait qu'il travaille vraiment bien à l'école parce que ils prennent vraiment les meilleurs élèves en classe iPad. Hein. Oui. Ouais, parce que et sur dossier, il faut être très, pas forcément le meilleur à l'école, mais aussi au niveau comportement. Donc Corentin était vraiment très sage toute l'année. Donc c'est une récompense, ça fait 2 ans qu'il rêve de cette classe, donc voilà,
Ça y est, t'es content ou pas? Oui. Oui. Alors est-ce qu'on fait un petit haul en fait de fournitures scolaires? Ouais, un petit haul. Ok, on commence par quoi? Par la coque. Par la coque? Le meilleur pour la fin. Alors, voilà la coque, c'est la plus belle du rayon qu'on a pris. Ah ouais, c'est la plus belle du rayon, t'as raison. C'est une coque noire. La meilleure. Voilà, c'est une coque toute noire, toute simple. Bon, on va l'ouvrir. On n'a pas pris la marque Apple. Ouais, elle coûtait vraiment très cher. Ouais, et puis c'était exactement la même. Hein. On va pas dire que c'est pas de la... Peut-être que c'était de meilleure qualité, mais bon. Celle-ci est très très bien pour l'école. Hein. Ah, on entend clochette. Oh, elle miaule. Elle veut des croquettes. Et oh, comment tu l'ouvres ça? Enfin. Bah maintenant faut casser de l'autre côté. Ah mais non. Est-ce que tu veux des ciseaux? Attends, on va couper à la main. Ouais. Voilà la force de la main. Quentin, il est trop costaud. Alors ok, donc elle ressemble à quoi? Voilà, elle est noire. On va peut-être enlever la petite protection à l'intérieur. La mousse. Voilà, la petite mousse. Ah ça peut faire tapis de souris, t'as vu? Ça peut faire autre chose, tiens. Ouais. Peut-être le garder pour faire autre chose, ouais. On va peut-être recycler ce petit truc. Bon, on va mettre l'autre côté et puis voir un peu. Et en plus, ça se recycle. Ouais, ça se recycle. On va pouvoir faire quelque chose avec, je peux te le dire, ça. J'ai une petite idée derrière ma tête. Ça, c'est trop bien. Trop lisse. C'est pas du tout. Voilà, en fait, c'est une coque. Bon, on passe à la suite. On passe au casse. Bon, Quentin est très content de sa coque. Voilà. Oui. On continue avec quoi, Loulou? Un petit casque audio. Alors, presque le même. Ouais, Corentin déjà presque le même, sauf qu'il n'a pas les boutons ici pour régler le volume. C'était pas la même marque non plus. On peut le régler et en fait, on peut le plier. Ouais, alors ça, c'est important qu'on puisse le plier parce qu'il va aller où? Dans le sac. Et ouais, dans ton sac d'école. Donc, il faut vraiment que ça tienne pas de place. Et surtout, quand on l'a choisi, on a essayé combien de casques? 4, 5? 3. On a essayé le bleu, non, le rouge. Le noir. Ouais, le noir et lui. Et le blanc. Ouais, le blanc et lui. Je sais plus, enfin, on a essayé tous les petits casques en fait qu'il y avait. Parce qu'en fait, pour les enfants, il vous faut pas des gros casques. Ouais. Parce que les oreilles, vos oreilles sont petites. Bah moi, je l'ouvre pendant ce temps. Oui, tu peux l'ouvrir. Vos oreilles, elles sont petites. Voilà, donc c'est important d'essayer le casque pour voir si ça va bien. Parce qu'il y en a en fait qui étaient super bien, Sony, et en fait, ils n'allaient pas du tout. Vous croyez qu'il fallait, mais Quentin, il a la découverte de son casque, il s'en fout royalement de ce que je lui dis. Voilà. Oui, mais je sais, faut les essayer. Bah oui, faut les essayer. Alors, va-t-il arriver à ouvrir ça? Est-ce qu'on donne un petit tour de magie? Non. Non? On a un cul, le carton, on y est arrivé, ça y est, ouais. Bravo! Alors, est-ce qu'il va bien ce casque? Oui. Il est trop bien. Faut le brancher à l'iPad. Ah, bah oui, faut le brancher à l'iPad. Ouais. Est-ce que tu veux le montrer d'un peu plus près au copain? Ah, bah oui. En fait, il est tout simple. Hein. Mais franchement, il a l'air super confortable. Il est tout mou là. Et puis là, surtout, ça tout se plie pour mettre dans le sac. Du coup, ça prend pas de place. Il est chouette. Il est tout chouette. Et puis là, il a un bouton. Ici. Un petit bouton, c'est pour le volume, chérie, je pense. Voilà, donc on continue avec la suite, le plus cher. Le truc le plus cher. Le truc que je vais manger des patates pendant un mois. Pourquoi? Je rigole les amis. Donc on continue avec l'iPad. L'iPad le dernier sorti. Le dernier sorti, ah oui, alors c'est le new iPad. Donc c'est vraiment le tout dernier. Et on a pris un combien de gigas? Un 128, ouais, parce que comme Corentin vous le disait, il va faire sa chaîne de gaming, donc certainement qu'il va l'utiliser aussi en plus de l'école pour le gaming. Et puis ça va s'appeler comment ta chaîne? Coco Gaming, on mettra tout ça dans la description dès que la chaîne sera créée. Je sais pas si elle sera créée au moment où je mets cette vidéo en ligne ou pas, donc vous pourrez aller voir Coco Gaming. Alors c'est Corentin qui voulait la faire depuis combien de temps cette chaîne? 2 ans. Et bien il va y avoir quoi sur ta chaîne? Des applications et des jeux vidéo. Voilà, des applis, des jeux vidéo, applis sur téléphone, bien sûr, sur tablette. Bon, un peu de jeux de société et de challenge, hein, ça un peu. Ah, aussi? Oui. Ok. C'est cadeau.
Ah, c'est cadeau. Bon, bah si c'est cadeau, les amis, donc vous irez voir Coco Gaming. Et bien sûr, je serai aussi sur la chaîne de temps en temps, mais Corentin, pas tout le temps. Bah, si, elle sera là, mais à côté. Oh, et parfois, je serai tout seul. Voilà. Donc voilà, c'est dit pour la chaîne. Donc ça y est, tu l'as ouvert, ce fameux iPad. Alors attends, je vais enlever le truc. Un roulement de tambour. Et puis là, il est pas dedans, c'est... Ah non, mais là, c'est bien lourd, il est dedans. Il faut que tu prennes les deux côtés. Voilà. Attention, attention. Roulement de tambour, je suis en train de le faire. Il va déjà casser l'iPad, je le sens. Ça y est, tu peux l'ouvrir. C'est un fail, c'est un fail, c'est un fou. Non, non, c'est un vrai. Alors, comment ça fait longtemps qu'il y a un iPad. Hein. Mais... Non, mais regardez, la vie, c'est une fosse. Mais non, c'est vrai. Non, mais il y a un filtre dessus. Waouh, wow, avec le chargeur. Oh, trop bien, un chargeur dans la boîte. Non, mais c'est pas possible. Regardez. Waouh, il y a un chargeur dans la boîte, c'est trop bien. Alors là, bien sûr, il est en train de mettre le film sur l'iPad. Et là... Et on l'a pris en noir autour, hein. Ah, il est tout beau. Ah, il est encore tout neuf. Il n'y a pas de trace de doigt, il n'y a pas de trace de... Bon, si, il y en a. Il n'y a pas de trace de hachoum. Hein, Corentin, un spécialiste pour éternuer sur les écrans et les consoles. Alors, fais voir un peu, il ressemble un peu cet iPad. Tu montes au bas. Un bloc. Ah bah ouais, c'est mieux pour charger. Et voilà. Et il y a quoi d'autre? Il y a quelque chose devant la boîte? Est-ce qu'il y a des écouteurs? Non, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. C'est à toi d'aller les chercher, les écouteurs. Hein. Ah non, il n'y a rien du tout. Ça me vénère. Okay. Puis là, la petite notice ben, qui ne sert à rien, on va dire, en fait, elle sert à rien. Avec les petits autocollants Apple, normalement, tu vas m'en récupérer pour sa voiture. Et ben non, je les vois pas. Voilà. Oh, je les collerai sur ma Ferrari si j'en ai. Bah oui, rien que celle Ferrari. Bah, ça pourrait être rigolo. Une voiture de course avec des autocollants Apple. Je les ai trouvés, les autocollants, ils sont là. Non, Loulou, je te les piquerai pas. Promis, je te les piquerai pas pour coller sur ma voiture. Donc, fais voir un peu cet iPad alors, à quoi il ressemble. Bah, déjà, il est allumé. Est-ce qu'il est allumé alors? Fais voir. Mets le droit. Contournons un peu. Ouais. Et derrière, il y a quelle couleur alors? Pour montrer aux copains la couleur que tu as pris. Il s'allume. Ouais, il est magnifique. Gris sidéral. Alors, est-ce qu'il marche? Est-ce qu'il marche ou est-ce que c'est un iPad en chocolat? On verra suite au prochain épisode. Bah, déjà, il y a que ça marqué. Il y a que la pomme. Yo! Ah, hello! Ah, hello! Fais voir! Press Home to Open. Oula! 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 Comment ça dans la casa? Voilà. Donc voilà. Bah écoute, mon loulou, il faut appuyer sur le bouton et là, il va falloir tout programmer. Donc je pense qu'on va vous laisser, les amis. On va programmer la tablette à Corentin. Il va falloir qu'on crée un mail, etc. Plein de choses à faire en perspective pour maman. Plein de travail. Ah, là, 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 avec là, moi! Avec moi aussi je m'y connais. Moi ouais, je m'y connais un peu. Ah ouais, tu t'y connais vachement, ouais. Mais arrête de dire ça. Je regarde la main fâchée. Bah bien sûr, oui. Après, il a pas des trucs. Bon, hein. Alors les amis, on va vous laisser. On espère que cette petite vidéo vous a plu. Est-ce que toi t'as plu? Si tu me dis qu'elle m'a pas plu, si elle t'a pas plu, je te sens. Elle m'a pas plu. Elle m'a plu. Les amis, on va vous laisser. On espère que vraiment ça vous a plu. Bah, dites-nous si vous êtes aussi dans une classe connectée comme Corentin. Parce que toi, tu connectée. Ouais, c'est une classe connectée. Donc, ça s'aille pas dans. Tablette, enfin bon, voilà. Dites-nous tout dans les commentaires. Dans les commentaires. Aussi, n'hésitez pas à aller voir la nouvelle chaîne de Corentin. Si elle est créée en ce moment, je sais pas. Ou peut-être, il y aura peut-être même pas de vidéo, mais vous pouvez aller voir. Oh. Donc, on met tout dans la description. Aussi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire s'ils ont aimé la vidéo? Et ben mettre un petit pouce vers le haut. Et mettre un petit pouce vers le haut, un gros pouce vers le haut. Et puis ben si c'est pas fait, abonnez-vous. Et en attendant la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous et on vous dit ciao. Ciao ciao et aussi bonne rentrée les amis. Bonne rentrée.